Voilà, 13 de tour, messieurs, 13 de tour. Donc, premier tour, messieurs, trois coureurs qui ont pris une petite... qui ont 30 mètres d'avance. Trois coureurs, donc avec le 22, le 25 et le 23. Donc, emmené par le 215, Claude Bayet. Donc le 15 accompagné du 30. Donc le 15 qui n'est autre que le même coureur que tout à l'heure d'ailleurs. Belay Claude accompagné du 30. Donc Jégu Jean-Luc. Voilà, pour l'instant rien n'est fait puisque le vent est assez dur. Donc avec le dossard 28, Guibert Robert. Alors que Denis tente également de sortir. Alors que nous en sommes à 8 tours de l'arrivée, mais c'est 8 tours et là on sent bien que c'est en train de craquer un petit peu derrière. À nouveau. Non, pas de blessure. Et ça, les maillots se ressemblent. Hein. Voilà, donc le 25. Malage, Franck Malage, si tout est revenu, mais il me semble qu'il manque quand même quelques tours. Ah non, c'est bon. Regarde. Voilà, à 7 tours de l'arrivée, 7 tours. Sortir avec deux autres qui reviennent en contre-attaque avec Jérôme et Franck. Allez, ça rentre maintenant. Allez, ça rentre. Voilà, et là, ça commence à faire mal. Allez, Florian. Pour l'instant, personne n'a réussi à prendre tout à fait le large, alors que Denis Chalin tente de sortir à 5 tours de l'arrivée, 20 km de l'arrivée, à 20 km de l'arrivée, pris en chasse par le dossard 15. Balaye Claude. Voilà, un peloton étiré. Un peloton bien étiré, très bien retraité du Crédit Mutuel. Est-ce qu'on peut pas y aller devant ? Tour d'arrivée les gars, le Mont Ventoux c'est à 20 000 km. Si je crois que c'est là. On peut pas y aller devant là ? 25, 29, 23. Vous êtes-il là ? Allez, tiens-moi, tiens-moi. Voilà, alors il s'agit donc du dossard 22. Le dossard 22 qui n'est autre que Laurent Jérôme, puisque Laurent... c'est Jérôme Leroux qui tente actuellement de sortir. Allez, Ludo. Bah, normalement il veut pas gagner hein, mais... Actuellement donc quand même le groupe est amené par Jérôme Bretonneau qui se retourne. Est-ce qu'il va devrait l'emporter Jérôme? Il ne reste plus que 20 mètres et je pense que c'est lui qui va l'emporter. Ça va être chaud là.